Déjà, je pense que c'est l'équipe adéquate par rapport à ma situation. Ça fait depuis le début de saison que je n'ai pas joué. Et là, on est au mois de janvier, la deuxième partie de saison commence. Donc, j'ai besoin de jouer et de ne pas faire une saison blanche. Donc, c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai signé. Et puis après, je pense que ce que je peux apporter de par mon expérience, j'ai 31 ans, je vais avoir bientôt 32 ans, donc j'ai un peu de vécu basket. Donc, commencer par la défense, je pense que je peux apporter une certaine dureté défensive. Et puis après, dans les autres secteurs de jeu, en attaque, je peux apporter des drives et quelque chose. Donc je pense que je pourrais apporter quelque chose, avoir une plus-value dans ce club de Nanterre. Je connais très bien Stephen Brun. On a fait un petit parcours ensemble en Coupe de France, on s'est côtoyé ailleurs. Je connais très bien Franck Le Goff, avec qui j'ai commencé pratiquement le basket, qui m'a suivi durant presque toute ma carrière. Je connais le coach de nom et puis les autres, un peu plus tard, on a tous croisé sur le terrain de basket. Donc, par rapport à l'intégration, je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de problèmes. Déjà, il faut que je retrouve un peu plus de rythme parce que la dynamique de match que j'ai pas depuis un certain moment, il faut que je la retrouve. Bon, ça va venir avec des exercices un petit peu physiques, ça va revenir rapidement. Donc, retrouver mon niveau que j'ai pas forcément perdu parce que je m'entraîne avec le Paris Levallois. Donc, après l'objectif plus du club, j'ai envie d'atteindre l'objectif du club déjà qui est maintien, qui est le club qui est monté. Et puis aller chercher quelques victoires en plus pour si on peut accrocher les playoffs quoi, et puis faire taire les pronostics. Comme quoi on va peut-être redescendre ou bien limite se maintenir. Donc j'ai envie d'aller chercher plus loin que ça pour pouvoir accrocher les playoffs si possible.